Belle s'est mise en couple avec Basto sur le tournage de la bataille des clans après avoir quitté Alan Gage. Les deux candidats seraient, il désormais en froid point d'interrogation. Le Marseillais a participé en début d'année au tournage de la Villa des Cœurs Brisés 7. Lors de cette aventure, Alan Gage a fait la rencontre de Belle. Les deux candidats ont de suite eu un gros coup de foudre. Après la fin de ce tournage, la jolie brune et le jeune homme ont officialisé leur relation sur les réseaux sociaux. Alan Gage et Belle semblaient très complices. Maïsan, l'ex du Marseillais, a eu beaucoup de mal à digérer cette nouvelle. Selon elle, Alan Gage n'aurait jamais véritablement rompu avec elle. Les deux candidats ont ensuite rejoint le tournage de la bataille des clans. Maïsan, Alan Gage et Belle se sont retrouvés dans l'équipe de la MIF. Basto, qui est un ami proche de Carla Moreau et Kevin Gage, a aussi participé à cette aventure. Selon les rumeurs, l'ex de Victoria Meo se serait rapproché de Belle lors de ce tournage. La jeune femme aurait d'ailleurs quitté soudainement Alan Gage dès le début de l'aventure pour se mettre en couple avec Basto. Qu'en est-il aujourd'hui de la relation entre le Marseillais et Bastien Grimal? Basto et Alan Gage toujours amis point d'interrogation. Il y a quelques jours, le candidat du reste du monde a finalement officialisé sa relation avec la Brésilienne dans une publication Instagram. Sur leurs photos, le couple paraît très complice. Belle et Basto sont en effet devenus inséparables. Dans sa story Instagram, Bastien Grimal a récemment partagé une capture d'écran d'une vidéo YouTube dans laquelle il apparaît aux côtés d'Alan Gage et d'autres Marseillais. Sur cette story, le jeune homme a tagué ses amis. Seul le pseudo de l'ex de Belle n'a pas été souligné. En effet, ce dernier aurait bloqué Basto sur Instagram. Il semblerait donc qu'Alan Gage ne soit plus en bon terme avec son ancien ami. Il se pourrait qu'il n'ait pas digéré le fait que Belle le quitte pour se mettre en couple avec Basto. Affaire à suivre. And then,